Dieu, pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Nous te remercions, Seigneur Jésus. La louange, l'honneur, la puissance, la promesse, l'adoration, la présence. Seigneur Jésus, pour glorifier ton nom, Seigneur Jésus. Élevez ton nom, Seigneur Jésus. Merci pour ta louange, Seigneur Jésus. Merci la gloire ce matin, Seigneur, recevra ta parole, Seigneur. Nous laissons pour nous guider par ton esprit, par ta puissance, Seigneur. Nous essayons par tes pieds, Seigneur. Seigneur, nous voulons que tu puisses vraiment bénir ce matin, Seigneur. Oindre de ton esprit, Seigneur. Bénis l'équipe de louange, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, pour diriger la louange, Seigneur. Alléluia, bon Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, Jésus, pour le piano. Que tu puisses oindre ses voix, Seigneur. Pour ton cœur aussi, Seigneur Jésus. À nous chanter, Seigneur Jésus. Remarque la prière, Seigneur. Et ton serviteur pour la parole, Seigneur. Nous utiliser ce matin. Tu connais nous soyons une bénédiction, Seigneur Jésus. Nous voulons aller prendre, Seigneur, ta puissance, Seigneur Jésus. Répandre ta puissance dans ce lieu, Seigneur. Répandre ton esprit, Seigneur, afin que tu puisses vraiment bénir. Tu puisses agir, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, répandre ton esprit dans ce lieu, Seigneur. Toucher les cœurs, Seigneur. Et accomplir ta volonté, Seigneur, ce matin. Seigneur, bénis, Seigneur, guide toutes choses, changer les choses dans les bénis nos cœurs, Seigneur. Rends-nous sensibles et réceptifs à ton esprit et à ta parole, Seigneur. Seigneur, dans ce lieu, Seigneur, remplis ce lieu de ta gloire, Seigneur. Passe à travers cet écran, Seigneur. Et bénis, Seigneur, tous ceux qui sont avec nous ce matin, en esprit, Seigneur. Seigneur, tu puisses vraiment répandre ton esprit, répandre ta puissance, Seigneur. Manifester ta gloire, ta puissance, Seigneur Jésus. Toucher les cœurs, Seigneur. Bénir, Seigneur, agir, Seigneur. Louange à toi, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu vas faire ce matin, Seigneur. Que nous puissions vraiment, Seigneur, nous laisser attirer par toi, Seigneur. Et que notre louange attire ta puissance dans ce lieu. Qu'elle attire ta gloire dans ce lieu, Seigneur. Tu puisses répandre ton esprit, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, glorifie ton nom ce matin. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur, ce matin, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur Jésus. Alléluia. Donne des révélations, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour ta parole. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis nos enfants, Seigneur. Bénis, Seigneur, touche les cœurs, Seigneur Jésus. Et remplis ce lieu de ta gloire. Remplis nos cœurs de ta paix, Seigneur. De ta présence, de ton esprit, de ta puissance, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur, que tu puisses vraiment nous utiliser ce matin. Seigneur, nous voulons guider notre cœur, Seigneur, décharger nos cœurs à tes pieds, Seigneur. Prends, Seigneur, tout ce qui vient d'une entrave ce matin. Qui a empêché ta bénédiction, Seigneur. Seigneur Jésus, remplis-les de ton esprit. Que ta parole puisse changer les remplis-les de ta présence. Que ta parole soit de ta présence. Que ta parole de ta vie, Seigneur, de ta paix, Seigneur. De ton amour, Seigneur Jésus. Par l'action de ton bras, Seigneur, nous voulons nous abandonner totalement à toi ce matin. Totalement, Seigneur. Tu puisses vraiment accomplir ta volonté dans nos cœurs, dans le nom, Seigneur Jésus. Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Louange à toi. Qu'elle soit dans la louange à toi, Seigneur. Qu'elle soit dans la louange. Béni sois-tu, Sauveur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Louange à toi, efficace, louange à toi, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Béni sois ton nom. Béni sois ton nom, Sauveur. Louange à toi. Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Sois glorieux au milieu de nous. Louange à ton nom, Seigneur. Amen. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Louange à toi, Sauveur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Sois béni, Seigneur Jésus. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur Jésus. Louange à toi, Sauveur. Alléluia. Thank you.
mène, tu traces un chemin. Alléluia. Alléluia. Le prochain chant est un nouveau chant. Et le titre, c'est Jésus, tu es puissant. Amen. Ça a l'air d'une évidence, mais parfois on en doute tellement de sa puissance. Alléluia. Parfois on se dit, oui, Jésus, t'es puissant, mais t'as vu mon problème? Attends, ok, t'es puissant, mais... Et non, Jésus, tu es puissant. Amen. Satan, il n'est pas puissant, ok? Donc vous pouvez regarder Satan en disant, ouais, bah tu m'as un problème, mais j'ai pas peur, j'ai Jésus avec moi. Et Jésus, il est puissant. Amen. Et les paroles du chant disent, Jésus, tu es puissant. Tu es le vainqueur de la mort. Tu déplaces les montagnes. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Christ est sur le trône et nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Alors ce matin, tous ensemble, nous allons déclarer que Jésus est puissant. Le chant dit, omnipotent, tu es présent. Où que je sois, tu es avec moi. Tu déplaces les montagnes. Tu guéris les malades. Tu brises toute chaîne. Toute chaîne. Pas les chaînes en plastique, pas les chaînes de bébé, pas les... Toute chaîne, tu brises, quand c'est brisé, c'est cassé. Tu brises toute chaîne et tu agis en ton temps. Amen. Alors écoutez ce chant et chantez-le avec nous après. Mais soyez sûrs, soyez fermes quand vous dites Jésus, tu es puissant. Et je le déclare ce matin que Jésus est puissant et que Satan n'est pas puissant. Satan n'est pas, il essaye, mais il arrive à rien. Mais Jésus est puissant et lui fait le miracle et lui déplace les montagnes et lui te guérit. Amen. Oh,
avec moi, ton nom, que ce soit Néliane, Alexander ou Benji. Et aujourd'hui, sans aucune jalousie envers eux, j'ai la meilleure des choristes près de moi. Amen. J'ai la plus belle et la meilleure des choristes. Amen. Quelqu'un dit amen. Le prochain chant dit ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et personnellement, c'est parce que son roi, elle a l'amour du Seigneur, elle a la puissance et elle a sa présence. Qu'elle est passée parce qu'elle est passée, mais qu'aujourd'hui elle peut être à côté de moi sur l'estrade. J'en dirai pas plus, mais vous connaissez tous son histoire. Et ça, il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Voilà. Et aujourd'hui, merci Seigneur, son roi, elle est à côté de moi sur l'estrade. Et elle peut chanter à côté de moi. Et elle fait les annonces le dimanche. Amen. Chantons tous ensemble ce chant, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux simplement te louer, et je cherche simplement ta face ce matin. Alors agis, ouvrons nos cœurs ce matin et laissons-le agir ce matin. Alléluia.
Seigneur, tu es digne, Seigneur. Alléluia, alléluia.
Seigneur, et qu'attendons toujours ta parole dans nos cœurs et dans nos vies. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, j'adore, oh, j'adore Seigneur. C'est fidèle et véritable. Amen. 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 Alléluia. Même si notre mémoire ça s'échappait, qu'on ne retenait que ça. C'est tellement encourageant, c'est tellement fortifiant, c'est tellement motivant. Fidèle et véritable. Amen. Fidèle, ça veut dire qu'il ne va jamais nous abandonner. Peu importe ce qui va se passer, peu importe les situations que nous pourrons traverser, peu importe. Il reste et il demeure fidèle. Donc il sera toujours là à nos côtés. Et véritable, ça veut dire qu'il n'y a pas de mensonge en lui, il n'y a pas de tromperie. Et tout ce qu'il a dit, toutes les promesses qu'il nous a faites, il va les accomplir. Parce qu'il est le Dieu véritable. Amen. Et c'est tellement encourageant, c'est tellement stimulant, c'est tellement motivant de savoir que notre Dieu est le Dieu fidèle et véritable. Amen. Seigneur, nous te louons pour qui tu es. Pour qui tu es, Seigneur. Alléluia. 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 Louange à toi, Sauveur. Louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je pense que nous sommes tous pareils. Et je n'échappe pas à la règle. Je suis comme vous. Et tellement souvent, nous avons besoin de nous souvenir que notre Dieu est un Dieu fidèle.
quand les moments sont difficiles, quand les situations sont très compliquées, quand on est trop fatigué, quand on arrive au bout parfois. Merci Seigneur parce que nous pouvons nous souvenir que tu es fidèle. Amen. Alléluia. Et ses promesses nous aident à nous relever, à reprendre des forces, du courage et à continuer d'aller de l'avant. Amen. Amen. Gloire à toi Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Louange à toi Seigneur. Gloire au Seigneur, bonjour à tout le monde. Alléluia. Donc, écoutez bien parce que c'est important, il y a quelques changements pour le week-end prochain. Comme les frontières sont toujours fermées, donc déjà numéro 1, notre invité spécial du dimanche ne peut pas passer la frontière. Et tout ce que nous voulions préparer pour le samedi, ça a tourné à, je ne vais pas dire à du n'importe quoi, mais... On n'a pas tout. On ne peut même pas dire que les pièces du puzzle ne se mettent pas ensemble. On n'a pas reçu la moitié des pièces du puzzle. Donc, on ne veut pas faire du bricolage parce que notre Dieu est digne que nous fassions les choses bien. Amen. Donc, on va attendre. Et je pense qu'on a la perspective que bientôt, peut-être, il faut prier pour ça, l'église pourra être ouverte. Ouais. Et je pense que ça sera beaucoup plus gai que nous puissions fêter les 25 ans de notre église tous ensemble, Amen. Évidemment. Amen. Ça, donc peut-être c'est dans les plans du Seigneur comme ça que tout le monde puisse être là ensemble. Ah, ouais. Donc, mais nous aurons quand même le culte spécial de l'anniversaire de l'église dimanche prochain. Ouais. Mais samedi, il n'y aura rien, malheureusement. Mais tout est en réserve et on préparera ça mieux après. Ouais. Amen. Mais évidemment, comme on est toujours béni avec ça, on garde les 4 jours de jeûne et prière à partir de demain jusque jeudi. Donc lundi, mercredi, prière sur Zoom de 7h à 7h30. Et mardi soir, jeudi soir, de 19h30 à... Ça dépend comment le pasteur, l'assistant pasteur soit inspiré, n'est-ce pas? Bon, ok. Et le pasteur donnera demain matin le thème pour les 4 jours de jeûne et de prière. N'oubliez pas de réserver quand vous venez. Quand vous voulez venir au culte, je vous assure, c'est fatigant. C'est parce qu'on veut être juste. On veut que personne ne soit lésé. Et Annelise et moi, on a vraiment hâte, plus que jamais, que l'église puisse être ouverte pour tout le monde. Ouais. Et regardez, aujourd'hui, quelqu'un devait encore venir, n'a pas prévenu, n'est pas venu. On aurait pu donner la place à quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, réservez. Et si vous ne pouvez pas, n'oubliez pas de prévenir. C'est très important. Par contre, j'ai une annonce géniale aujourd'hui. Il y a un ministère qui est libre, qui est ouvert, qui est sécurisé, qui est légal et que tout le monde peut faire à partir de demain. Amen. C'est le nettoyage de l'église. Yes. Amen. Quand on nettoie l'église, on est deux. Donc il y en a une là-bas et une ici. Donc vous avez 100 mètres de distanciation, vous avez le masque, vous avez tout ce qu'il vous faut. On ne nettoie pas tous les samedis parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour l'instant. On nettoie toutes les 2 semaines et ça recommence samedi prochain. J'ai décidé que ce n'est pas pasteur et moi, même si nous le faisons de bon cœur, qui devons toujours reprendre ce ministère parce qu'il est à partager pour tout le monde. Amen. Donc, celles qui veulent reprendre un tour, vous êtes les bienvenues. Et voilà. D'accord. Et alors, à partir de demain, il y a... comment on appelle ça? Bon, voilà. Il y a quelque chose de national pour les femmes de la Belgique qui commence sur Facebook. Donc il y a une petite vidéo qui va être mise sur le Facebook du Rocher et je le mettrai sur Femmes de Valeur, sans doute avec un lien où il y aura des partages, des dévotions. On en saura plus, mais ça commence demain. Donc je vous tiens au courant sur le site de l'église. C'est pour les sœurs. Et c'est seulement pour les sœurs, oui, voilà. Je crois que j'ai fait le tour, n'oubliez pas Iranson. Et puis je veux juste terminer sur ce qu'Annelise avait dit tout à l'heure, il y a un an, jamais j'aurais cru qu'aujourd'hui je pouvais être là. Amen. Comme ça. Je ne veux pas dire que je suis à l'aise à 100%, mais je suis là. Amen. Donc je veux dire à quelqu'un, parfois il se passe des choses dans nos vies, on a l'impression d'être plus bas que le trou, si ça peut exister, et parfois on a l'impression que le diable vient rouler la pierre sur ce trou, de dire terminé celui-là, on n'en parlera plus. Et je suis là ce matin pour vous dire que Dieu va rouler la pierre sur votre sépulcre, quelle que soit votre situation, même si on ne voit pas la fin, même si on ne voit pas la lumière,
Dieu va rouler la pierre de votre sépulcre parce qu'il est vivant. Et de la vallée des eaux desséchées va se lever une armée vivante et remplie de l'Esprit du Seigneur. Je ne suis pas encore comme je voudrais être, mais je suis là. Merci Seigneur pour ce qu'il a fait. Il est vivant, il est fidèle. Ça a duré 4 ans. 4 ans où j'ai cru que j'étais seule, abandonnée, où personne ne pouvait me comprendre. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, par sa grâce, je suis là. Donc c'est un message d'espoir que j'envoie à quelqu'un. Tu ne vois rien, tu ne sens rien, tu te sens seul, abandonné. Non, Jésus est avec toi. Et un jour, la lumière se lèvera sur toi et sa gloire descendra sur ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut donner la gloire au Seigneur encore une fois? Acclamez le nom de Jésus. Alléluia, avec tout notre cœur, avec toute notre force, avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Alléluia, il est le Dieu tout-puissant. Amen. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia, et nous devons croire cela. Croire cela. Avec tout notre cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place si vous êtes encore debout à la maison. Ici, tout le monde est assis à nouveau. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Quelque chose qui est extraordinaire, quelque chose qui est merveilleux, c'est que Dieu n'est pas un Dieu de religion. Et c'est tellement dommage que tellement de gens sont prisonniers d'une religion ou d'un système religieux qui les empêche de profiter de qui est Dieu réellement. Le Dieu puissant, le Dieu qui agit, le Dieu qui bénit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui est là et que nous pouvons sentir sa présence, avec qui nous pouvons faire des expériences. Le Dieu qui nous conduit dans des endroits extraordinaires. Et ça, c'est tellement extraordinaire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et je voudrais vraiment encourager quelqu'un ce matin. Dieu n'est pas le Dieu d'une religion ou d'un système religieux. Il est le Dieu vivant. Amen. Amen. Jésus a dit, j'étais mort, c'est dans l'Apocalypse, j'étais mort, et maintenant, je suis vivant au siècle des siècles. Et peu importe ce dont tu as besoin, il est le Dieu vivant, et il veut te bénir, il veut te remplir, et il veut répondre à tes prières. Si seulement tu viens dans sa présence, avec un cœur sincère, avec un cœur décidé, alors le Seigneur va prendre soin de ta vie. Amen. 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 Quelqu'un dit amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais être un peu moins gentil que Sœur Nicole. Amen. Si vous avez réservé votre place le dimanche matin, hein, venez. Amen. Et là, je suis sérieux. Ce matin, quelqu'un a téléphoné, quelqu'un qui avait besoin d'être ici, vraiment pour être béni. On a dit non, c'est pas possible, les places sont prises. Et au final, il y a une place qui est libre. Parce que quelqu'un a réservé et n'est pas venu. Amen. Donc c'est important, cette personne à qui on a dit non, c'est plein, elle avait vraiment besoin de recevoir quelque chose du Seigneur ce matin. Et on a vraiment hésité avec Sœur Nicole, peut-être on peut faire une exception, mais on ne pouvait pas faire une exception parce qu'on ne veut pas enfreindre la loi. Donc au final on a dit non, ce n'est pas possible. Et on aurait pu. Alors si tu as réservé, viens. Si tu ne peux pas venir, préviens. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est ça aussi, la discipline dans l'Église. Et le Seigneur aime la discipline. Et puis, on doit respecter les choses. Amen. Gloire au Seigneur. C'est déjà assez compliqué, je vous assure. C'est très compliqué pour Sœur Nicole et Annelise de pouvoir gérer ça. Et on le fait. Il n'y a pas beaucoup d'églises qui font ça. Hein. Vous devez savoir ça. Il y a très peu d'églises qui font ça. La plupart des églises sont fermées et les chrétiens sont à la maison. Nous, on veut que vous puissiez, même si c'est 6 seulement, on veut que vous puissiez participer. Amen. On veut vous voir, on veut voir votre visage, on veut être bénis ensemble, passer des bons moments dans la présence du Seigneur. Alors, honorez ça, respectez ça et les personnes qui travaillent pour que ça puisse bien se faire. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, venez, venez, venez. Ça, c'est ce qu'on veut. Venez, venez. Réservez votre place. Et quand vous avez réservé, soyez là. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On donne la gloire au Seigneur encore une fois. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce matin, on entre dans la dernière partie de la série L'Église triomphante. Amen.
Donc, si vous avez votre Bible près de vous, sinon, allez vite, vite, vite la chercher. On va relire les versets qui nous servent de base depuis quelques semaines dans Nombre, chapitre 6, et les versets 22 jusqu'à 27. Amen. Gloire au Seigneur. Bienvenue à vous qui êtes ici ce matin devant moi. Amen. C'est toujours plaisir de vous voir. Et puis, c'est bien d'être ensemble. Amen. Je ne vais pas prêcher à des chaises encore ce matin. Et bienvenue à chacun de vous qui êtes à la maison. On est ensemble réunis dans la présence du Seigneur, sous l'onction du Saint-Esprit. Et on veut être bénis ensemble. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Nombre chapitre 6 et les versets 22 jusqu'à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils, et dit, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. » Et je les bénirai. Amen. Amen. Merci Amen. Pour ta parole, Seigneur. Comme chaque fois, Seigneur, nous voulons qu'elle puisse pénétrer nos cœurs, qu'elle puisse, Seigneur, venir à l'intérieur, que nous puissions la comprendre. Donne-nous l'intelligence, Seigneur, pour la comprendre, Seigneur. Et aussi, Seigneur, donne-nous ce désir de mettre ta parole en pratique. Parce que c'est ta parole, Seigneur, qui va nous conduire sur le chemin de la vie éternelle. Et c'est ta parole qui va faire que nous serons aussi prêts quand tu viens chercher ton Église. Merci pour ta parole, Seigneur. Bénis-la dans nos cœurs. Ce matin, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Amen. À la maison aussi, installez-vous confortablement, mais pas trop. Amen. Gloire au Seigneur, parce que sinon, vous allez vous endormir. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On est ce matin dans la septième, dernière partie de l'Église triomphante. Amen. Amen. En réalité, je pense que il y a deux églises. Il y a l'église normale, qui est une église, j'allais dire une bête église. Et puis il y a l'église de Jésus-Christ, qui est l'église triomphante. L'église de Jésus-Christ doit être forcément une église triomphante. Sinon, elle n'est pas l'église. Parce que Jésus est le Dieu triomphant. Amen. Et l'église est l'église de Jésus-Christ. Amen. Donc, forcément, par définition, l'Église de Jésus-Christ se doit d'être une Église triomphante. Amen. Chaque enfant de Dieu qui fait partie de l'Église triomphante doit être un chrétien triomphant. Yes. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas un chrétien, nous ne serons pas des chrétiens qui allons rencontrer des problèmes, qui allons rencontrer des difficultés, qui auront des hauts et des bas. Ça veut dire que dans toutes les situations, au final, nous devons être des hommes et des femmes triomphants, des chrétiens triomphants qui font partie de l'Église de Jésus-Christ, qui est une Église triomphante. Amen. Amen. Et quelqu'un dit Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. La bénédiction de Dieu sur nous. C'est le concentré de ces versets avec lesquels nous travaillons depuis déjà maintenant quelques semaines. Et nous avons vu dans les semaines qui ont précédé les trois bénédictions contenues dans ces versets, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. En réalité, on dit qu'il y a trois bénédictions, mais il y en a six. Je me suis déjà étendu un petit peu là-dessus. Chaque bénédiction contient deux bénédictions. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. La semaine dernière, je discutais avec quelqu'un qui était ici pour la réunion. Amen. Et je me sentais un peu fier quand même. Amen. On parlait de ces versets et je lui ai dit, tu te souviens, ça fait déjà un peu plus que 2 ans que notre Église a commencé à travailler avec ces versets, avec ces promesses. Ouais. Et je pense ne pas me tromper, en tout cas dans tout ce que je peux connaître. Je pense que nous avons été certainement les premiers à commencer à travailler avec ces versets. C'est la vérité. Et après, on a entendu un petit peu par-ci, un petit peu par-là, des gens qui ont reçu ces promesses du Seigneur et qui ont commencé à travailler avec ces promesses. Mm-hmm. Et puis, il y a cette chanteuse, Carrie Job, qui a créé ce chant, les bénédictions. Et puis, tout le monde francophone a repris ce chant en français. Et ces paroles sont tellement
extraordinaire. Tellement extraordinaire. Ce sont des bénédictions et je pense que si nous arrivons à retenir tout ce que nous avons entendu depuis quelques semaines, alors ces paroles sont d'une richesse incroyable pour nous porter jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Tout ce dont le peuple d'Israël avait besoin, tout ce dont, par définition, l'Église a besoin est contenu dans ces paroles. Ce sont les paroles que Dieu a données pour son peuple, qui allait devoir traverser le désert et qui allait devoir conquérir le pays promis. Tout est contenu dans ces paroles. Amen. Et on entre ce matin dans la dernière proclamation de cette bénédiction. Donc je vais revenir juste un petit peu en arrière. Quand j'ai dit je suis un peu fier, ça n'est pas de l'orgueil. Mais quelque part c'est une fierté. Et nous devons être fiers quand le Seigneur nous donne des choses qui sont des prémices. Amen. Gloire au Seigneur. Tellement souvent dans le monde chrétien, les gens entendent des choses par-ci, par-là, et puis on va picorer un peu. Les pasteurs n'échappent pas à cette règle en général. On va picorer un petit peu, et puis voilà, on prend quelque chose, et puis après on construit quelque chose de nouveau avec ça. Amen. Et ces paroles, nous sommes quelque part les prémices. Et je remercie le Seigneur pour cela, parce que depuis 2 ans, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je vis avec ces paroles. C'est quelque chose qui est tellement important, qui a changé ma vie. Et en plus, je dois être honnête avec vous, depuis que je vais plus profondément pour préparer cette série de prédications, je vais encore plus profond. Amen. Et ces paroles, ça change tellement de choses dans ma vie. Tellement de choses. Et je voudrais vraiment vous encourager à méditer ces paroles. Allez lire entre les lignes ce qui n'est pas écrit avec de l'encre, mais ce que le Saint-Esprit a écrit là, dans la parole. Amen. Allez méditer. Et allez voir comment c'est fort, comment c'est puissant, comment c'est riche, qu'est-ce que c'est comme nourriture extraordinaire qui va nourrir votre âme et qui va vous booster dans votre vie spirituelle, dans votre marche avec le Seigneur. Je vous encourage à le faire. Amen. Gloire au Seigneur. Même si vous devez arrêter de faire tout le reste, concentrez-vous sur ces quelques versets, méditez, priez, jeûnez et vous allez voir là où le Seigneur va vous conduire. Amen. Seigneur, vous conduire dans une étape supérieure. Amen. Une nouvelle dimension, un nouveau level, comme on dit. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On entre ce matin dans la dernière proclamation de cette bénédiction. Amen. Pour que les promesses reçues s'accomplissent, le peuple avait besoin d'être sous la bénédiction de l'Éternel. Amen. Amen. Il y a les promesses qui conduisent à la bénédiction. La bénédiction de l'Éternel est attachée au nom de l'Éternel. Il y a les bénédictions qui conduisent au nom de l'Éternel. Amen. Ces versets qu'on a lus et qu'on peut relire, si vous avez encore votre Bible ouverte, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Qui ? L'Éternel. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Qui ? L'Éternel. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Qui ? L'Éternel. Et le Seigneur termine avec ça et dit, c'est ainsi qu'ils mettront, c'est l'Éternel qui parle, il dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Amen. Tout cela est un ensemble que nous ne pouvons pas dissocier. Amen. Tout cela fait partie de la bénédiction globale de Dieu pour son peuple et pour nous, l'Église. Il y a les promesses qui conduisent aux bénédictions, qui conduisent au nom de l'Éternel, qui nous ramènent aux bénédictions. Et on tourne en rond comme ça et on est toujours enfermé dans cette spirale de bénédiction sous la protection du nom de l'Éternel. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, quelqu'un dit amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. 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 La bénédiction est nécessaire pour que les promesses s'accomplissent. C'est ce que la Bible nous enseigne. Le nom de l'Éternel est nécessaire pour que les bénédictions s'accomplissent. Les bénédictions découlent du nom de l'Éternel sur nous. Amen. J'espère que tout le monde comprend bien cela. Pour celles et ceux qui connaissent la Bible, nous savons combien le nom de l'Éternel était important pour les Israélites, mais aussi pour les autres nations.
Et on va s'étendre un peu sur ce sujet ce matin. Le titre de la prédication aujourd'hui, c'est dans la série L'Église triomphante, c'est « Ils mettront mon nom sur eux ». Amen. Amen. « Ils mettront mon nom sur eux ». C'est l'ordre que Dieu donne à Moïse et que Aaron et ses fils doivent accomplir. « Ils mettront mon nom sur le peuple ». Amen. Amen. Parce que c'est important que le nom de l'Éternel repose sur son peuple, sur son Église. Amen. Alléluia. Directement après la création, dès le chapitre 2 de la Genèse, nous connaissons Dieu sous le nom de Yahvé. Amen. Volontairement, ce matin, je vais souvent m'écarter du nom l'Éternel et prononcer le nom Yahvé. Le nom de Dieu, l'Éternel, qui a été traduit en français, l'original c'est Yahvé. Je suis celui qui suis. Amen. Et dans nos Bibles en français, on a traduit ce nom par le nom de Dieu par l'Éternel. Amen. Mais pour le besoin de la prédication, je vais dans la plupart des cas me référer au mot original, au nom original de Dieu, Yahvé. Amen. Donc directement dans la Bible, à partir du chapitre 2 de Genèse, nous connaissons Dieu sous le nom de Yahvé. Amen. Lorsqu'Abraham reçoit les promesses, Dieu lui dit, je suis Yahvé. Je suis celui qui suis. C'est important que nous puissions comprendre ça. Celui qui n'a ni commencement, ni fin. Celui qui existe de par lui-même, qui existe depuis toujours et qui existera toujours. Yahvé, c'est ça que le nom de Dieu signifie, Yahvé. Je suis celui qui suis. Amen. L'Éternel présent. Pour notre esprit humain, c'est un petit peu, peut-être, complexe, mais c'est exactement ce que Dieu est. Et c'est avec ce nom qu'il s'est révélé. C'est le nom de Dieu de l'Ancien Testament. Lorsque Moïse reçoit l'appel pour délivrer les Israélites, esclaves des Égyptiens depuis 400 ans, là, dans le désert, devant ce buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas, Moïse est tellement étonné, il veut se détourner, il veut voir ce qui se passe, et le Seigneur se révèle à Moïse encore sous le nom de Yahvé. Et le Seigneur donne un appel à Moïse, il dit, tu vas te lever et tu vas aller libérer mon peuple, parce que j'ai entendu ses cris et je vais le délivrer. Et le Seigneur donne ses ordres à Moïse. Et Moïse, et tout le monde connaît l'histoire, Moïse n'a pas vraiment envie d'aller. Alors il va essayer déjà d'argumenter un peu avec le Seigneur. Et ça c'est dans Exode chapitre 3, versets 13 à 15. Normalement c'est, voilà. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis, Yahvé, m'a envoyé vers vous. Amen. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. Allez, essayons d'attacher une importance particulière à cette dernière phrase. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. Les Israélites savent très bien qui est Yahvé. Amen. Alléluia. Ils sont les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils savent qu'ils sont les héritiers des promesses que Yahvé a faites à leur père Abraham. Amen. Gloire au Seigneur. Les Israélites savent très bien qui est Yahvé. Quand Moïse leur dit que c'est Yahvé qui l'envoie, ils savent qui il est parce que c'est à lui qu'ils ont adressé leurs prières et leurs supplications en disant, Yahvé, regarde nos souffrances, regarde ce que nous subissons et viens nous délivrer de cet esclavage. C'est à lui qu'ils ont adressé leurs prières. Alors quand Moïse leur dit, c'est Yahvé qui m'envoie, ils savent très bien qui les envoie.
Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Et maintenant, la réponse à leur prière est arrivée. Alléluia. Alléluia. Peut-être ça peut aider quelqu'un ce matin. Vous savez, maintenant, nous ne vivons plus 400 ans. Ça, c'était dans le temps. Je ne sais pas depuis combien de temps tu as formulé une prière. Depuis combien de temps tu cries vers le Seigneur. Tu implores la grâce du Seigneur pour une situation tellement difficile, une situation d'esclavage où je ne sais pas ce que tu peux traverser dans ta vie. Amen. 400 ans. Et voilà que maintenant, le Seigneur, il a entendu. Mais le temps est venu de répondre. Amen. Et le Seigneur envoie Moïse. Et bien, Moïse, tu leur diras, Yahvé, le Dieu que tu as invoqué, m'envoie vers vous pour vous rendre libre. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si vous saviez toutes ces richesses qu'il y a dans ces versets quand on prépare une prédication. Waouh. Amen. Chacun de vous voudrait, aurait envie de devenir prédicateur. Rien que pour être béni et être enrichi et richement béni. Amen. Avec la parole du Seigneur. Amen. Le peuple sait qui est Yahvé, contrairement à Pharaon. Amen. Amen. Moïse et Aaron se rendent auprès de Pharaon et ils disent à Pharaon, ainsi parle Yahvé, le Dieu d'Israël. Et si vous connaissez votre Bible, vous connaissez la réponse de Pharaon. Pharaon, il dit, mais qui est Yahvé pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point Yahvé et je ne laisserai pas aller Israël. Pharaon allait apprendre à ses dépens qui est Yahvé. Et nous savons qu'il va payer le prix fort et son peuple également pour avoir désobéi et résisté à Yahvé. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous emmène quelque part à l'église ce matin. Après avoir traversé la mer Rouge et que les Égyptiens se furent noyés dans cette mer, le peuple d'Israël a commencé à avoir une nouvelle révélation de l'Éternel. Amen. Ils savaient qui était Yahvé. Ils savaient que Yahvé pouvait les délivrer. Ils savaient que Yahvé avait parlé à Abraham, à Isaac, à Jacob, qu'ils avaient reçu des promesses et que ces promesses étaient pour eux. Amen. Mais en réalité, ils n'avaient jamais vécu d'expérience intime avec Yahvé, avec leur Dieu. Avec l'Éternel. Ils n'avaient jamais vécu d'intimité personnelle. Tout ce qu'ils avaient fait, c'est savoir qu'il y avait des promesses qui leur appartenaient, qu'il y avait été un Dieu qui répond aux prières, et ils avaient imploré l'Éternel pour qu'il vienne les délivrer de cette situation d'esclavage. Mais ce n'est pas vraiment une relation d'intimité. Et maintenant, ils voient au travers de cette situation extraordinaire, Dieu dit à Moïse d'étendre sa main sur son bâton sur la mer. La mer s'ouvre, le peuple traverse, ils arrivent de l'autre côté. Les Égyptiens qui veulent les tuer les suivent et la mer se referme et ces Égyptiens sont engloutis dans cette mer. Amen. Amen. Alléluia. Et la Bible dit dans Exode 14 que Israël vit la main puissante que Yahvé avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple commença à craindre Yahvé. Il crut en Yahvé et en Moïse, son serviteur. Une nouvelle vie va commencer avec l'Éternel. Quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une nouvelle connaissance, une nouvelle marche spirituelle entre Yahvé et eux. Mm-hmm. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'ils vont chanter, Marie, la sœur d'Aaron va prendre son tambourin, toutes les femmes vont prendre leur tambourin, et les hommes vont suivre après, ils vont commencer à chanter. Et vous savez ce qu'ils ont chanté ? Si vous connaissez votre Bible, certainement vous savez ce qu'ils ont chanté. Amen. Ils ont chanté « Yahvé est ma force et le sujet de mes louanges. » Amen. Alléluia. Nous sommes partis de ce matin qu'ils mettront mon nom sur eux. Amen. Et ce peuple d'Israël va chanter dans ce chant « Yahvé est ma force » et le sujet de mes louanges. Ils n'ont pas chanté, il est une de mes forces, ou il est une partie de ma force. Le peuple chante, parce qu'il y a quelque chose dans son cœur, il vient de se passer quelque chose d'extraordinaire qui va révolutionner leur vie. Nous savons que malheureusement, c'est un peuple qui oublie très vite ce que Dieu fait, mais dans le temps présent, ce qu'ils ont vécu, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Et il y a dans leur cœur cette exclamation, Yahvé l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Et dans le verset suivant, il dit, Yahvé est un vaillant guerrier, Yahvé est son nom. Amen. Alléluia. Il y a une nouvelle approche, une nouvelle connaissance par rapport au nom de l'Éternel. Tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament, le nom de Yahvé va être révélé de manière différente. Amen. Les Israélites vont découvrir la sainteté, la puissance, l'autorité du nom de Yahvé. Amen. Gloire au Seigneur. Ils vont découvrir que Yahvé est plus qu'un nom. Amen. C'est le nom de celui qui est au-dessus de tout, du Dieu créateur, du Dieu sauveur, du Dieu qui guérit, du Dieu qui protège, du Dieu qui pourvoit, du Dieu qui répond aux prières. Amen. Ils vont découvrir que Yahvé, quand il prononce le nom de Yahvé ou quand quelqu'un prononce le nom de Yahvé, c'est plus qu'un nom. Il y a quelque chose, il y a une puissance, il y a une autorité, il y a quelque chose qui découle du nom de Yahvé. Et c'est une des raisons pour lesquelles le Seigneur va dire à Moïse, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur mon peuple. Alléluia, c'est plus qu'un nom, c'est tout ce qui est renfermé dans le nom de l'Éternel. Amen. Ils vont réaliser que le nom de Yahvé, c'est une protection devant leurs ennemis. Alléluia, gloire au Seigneur. Chaque fois qu'ils vont arriver quelque part, les gens vont directement avoir peur de ce peuple, car la réputation du nom de Yahvé s'est répandue. Et maintenant, il y a quelque chose qui est jumelé là, qui s'est mis ensemble. Israël, le peuple d'Israël, Yahvé. Yahvé, le peuple d'Israël. Et chaque fois que le peuple arrive quelque part, il y a cette couverture au-dessus d'eux du nom de Yahvé. Et les gens et les peuples qui les entourent ont très bien compris que ce n'est pas seulement le nom de Yahvé, c'est qui est Yahvé. Amen. Amen. Et ce que Yahvé est dans son nom. Amen. Vous savez, ça fait tout un ensemble. Israël est désormais associé à Yahvé. Il y a une puissance, il y a une autorité, il y a une protection. Et c'est pour cela que Moïse reçoit la bénédiction qu'Aaron et ses fils doivent prononcer sur le peuple. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Et je les bénirai. Amen. Alléluia. Le Seigneur commence en disant, voilà comment vous devez bénir mon peuple. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel, que l'Éternel, que l'Éternel. Et le Seigneur continue, il dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom. En envoyant la bénédiction, ils mettront mon nom sur eux. Et quand ils auront mis mon nom sur eux, alors je les bénirai. Amen. Alléluia. La bénédiction est dépendante du nom de l'Éternel et le nom de l'Éternel doit être invoqué et doit être sur son peuple pour que la bénédiction en découle. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire, ils disent. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. La réalité de tout cela est que pour ce peuple, la protection, l'accomplissement des promesses, la bénédiction et la protection sont conditionnés au nom de Yahvé. Amen. C'est juste. Amen. Conditionné au nom de Yahvé. S'il n'y a pas le nom de Yahvé, le reste n'est pas possible. Parce que c'est ce que Dieu veut et c'est ce que Dieu enseigne à Moïse et c'est ce que Aaron et ses fils doivent faire. C'est ce qu'ils doivent accomplir. Amen. Gloire au Seigneur. Dans Deutéronome 28, 10, il est dit, vous pouvez noter tout ça, sinon vous pouvez tout à l'heure aller en streaming et revoir la vidéo. Amen. Elle sera disponible dès que la réunion sera terminée. Amen. Dans Deutéronome 28, 10, il est dit, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de Yahvé. Amen. Et te craindront. Ça, c'est une promesse que Dieu fait à son peuple. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de Yahvé et ils te craindront. Dans Samuel 17, nous connaissons l'histoire de ce jeune David qui va aller affronter ce Philistin que l'armée d'Israël n'a pas osé affronter. De qui elle a peur? Ce géant Goliath.
Et nous savons exactement ce que David dit à ce Philistin. Il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de Yahvé des armées. Alléluia. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Moi, je marche contre toi. La seule force, la seule puissance que David possédait, c'était pas sa fronde, c'était pas son caillou, c'est le nom de l'Éternel. C'est ce qu'il dit à David, à Goliath. Il dit, je marche contre toi au nom de Yahvé des armées. Alléluia. Et nous revenons à cette bénédiction que Dieu dit à Moïse, tu dois prononcer ça sur mon peuple. Ils mettront mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Dans Élie, quand Élie rencontre le roi Achab, amen, et qu'il est devant tous ses faux prophètes, il dit ceci, il dit, invoquez le nom de votre Dieu. Le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de Yahvé. Amen. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Yes. Amen. Et tout le peuple répondit, amen. Amen. C'est bien. Et nous savons ce qui s'est passé. Oui. Tous ces gens ont invoqué le nom de leur Dieu et il ne s'est rien passé. Élie a invoqué le nom de l'Éternel. Juste une courte prière. Que tous ces chants, aujourd'hui, Yahvé, sache que c'est toi qui es Dieu et le feu de son doute. Il a juste invoqué le nom de Yahvé. Amen. Quand David a dressé une tente pour y mettre l'arche de l'Alliance et qu'il distribue aux Lévites la charge de faire le service, voici ce que David dit aux Lévites qu'ils devront faire. Il dit, glorifiez-vous de son saint nom. Amen. Alléluia. Glorifiez-vous de son saint nom. Alléluia. Rendez à Yahvé gloire pour son nom. Dans le psaume chapitre 9, il est écrit ceci. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Ceux qui connaissent ton nom. Pas seulement Yahvé, un nom comme un autre, Philippe, Gustave, Marcel et je ne sais quoi. Ceux qui connaissent ton nom, ce qu'il y a dans ton nom, la puissance, l'autorité, la bénédiction, la protection, tout ce qu'il y a dans le nom de Yahvé, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Amen. 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 Alléluia. Et toujours dans les psaumes, il est dit, ceux-là s'appuient sur leur char, ceux-ci sur leurs chevaux, ils font confiance à leur char, font confiance à leurs chevaux. Vous connaissez la suite? Nous invoquons le nom de Yahvé, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. À Proverbe chapitre 18, il est dit, le nom de Yahvé est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Amen. Le nom de Yahvé est une tour forte. Pas n'importe quelle tour, une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Ou dans le nom de Yahvé. Amen. Et nous arrivons obligatoirement à l'église, c'est-à-dire à nous, aujourd'hui, ce matin. Amen. Dans le livre de Joël, du prophète Joël, nous pouvons lire au chapitre 3. Après cela, c'est une promesse de l'Éternel. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de Yahvé, de ce jour grand et terrible. Et le verset continue, il dit, alors, quiconque invoquera le nom de Yahvé sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de Yahvé sera sauvé. Cette prophétie de Joël concerne l'Église. Cette prophétie de Joël nous dit que dans les temps que nous vivons, quiconque invoquera le nom de Yahvé sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem.
comme a dit Yahvé, et parmi les réchappés que l'Éternel accomplira, appellera, pardon. Amen. Cette prophétie a commencé à s'accomplir le jour de la Pentecôte et elle s'accomplit, elle continue de s'accomplir encore aujourd'hui et elle concerne l'Église. Amen. Amen. Et c'est là où je vais vous emmener quelque part, Église, ce matin. Alors, quiconque, cette prophétie concerne l'Église, les temps que nous vivons. Alors, quiconque invoquera le nom de Yahvé sera sauvé. Amen. Alléluia. Il y a cette bénédiction. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Amen. L'évangile de Matthieu au chapitre 1. Un ange apparaît à Joseph pendant son sommeil pour lui expliquer la situation avec Marie. Vous savez, on connaît l'histoire. Mais certainement, nous ne sommes jamais mis, en tout cas nous les hommes, dans la peau de Joseph. À cette époque, une jeune fille devait être absolument vierge jusqu'au mariage. Une jeune fille qui se retrouve enceinte. Hein? Joseph est fiancé à Marie. C'est officiel. Cette jeune fille lui appartient. Elle est pure, elle est vierge. Et voici que un jour, elle doit dire à Joseph, tu sais quoi, je suis enceinte. La Bible dit que Joseph, c'était un homme de bien, un homme intelligent, un homme sensé. Et ce qui attendait normalement Marie. Parce que, puisqu'elle était enceinte, ça veut dire qu'elle avait commis un adultère. La loi de Moïse voulait que les femmes qui avaient fait cet acte soient lapidées. Marie devait mourir. Et c'est pour ça que l'ange apparaît à Joseph pendant la nuit, et lui dit, ne crains pas de prendre Marie pour ta femme, parce que l'enfant qui est dans son ventre est conçu par le Saint-Esprit. Elle n'a pas péché, elle ne t'a pas trompé, elle ne t'a pas trahi, elle est juste choisie, la femme que Dieu a choisie pour venir sur cette terre. Amen. Et l'ange dit à Joseph, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, Yahvé Sauveur. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et nous arrivons à nouveau, nous retournons avec cette prophétie du livre de Joël. Alors quiconque invoquera le nom de Yahvé sera sauvé. Et l'ange dit à Joseph, tu lui donneras à cet enfant le nom de Jésus, Yahvé Sauveur. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Jésus, c'est le nom du Dieu de l'Ancien Testament, Yahvé, qui est le nom du Dieu du Nouveau Testament, Jésus. Amen. C'est pas notre Dieu, c'est pas notre nom. Yahvé est juste devenu Yahvé Sauveur. Yahvé, le Dieu invisible, est devenu le Dieu visible que l'on peut voir. Et il est venu sur la terre dans une forme humaine pour nous sauver et nous racheter de nos péchés. Et Jésus, c'est le nom qui appartient à l'Église, c'est-à-dire à nous. Amen. Amen. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Trop de chrétiens prononce le nom de Jésus, chante le nom de Jésus, parle du nom de Jésus, prie au nom de Jésus, mais ne savent pas exactement qui est Jésus. Exact. Quel est ce nom qui sort de leur bouche? Amen. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le nom de Jésus. Amen. Et je voudrais insister encore une fois ce matin. Jésus, ça n'est pas le nom de la deuxième personne de la Trinité. Jésus, c'est le nom du Dieu de toute éternité par lequel il s'est révélé à l'Église. Amen. Yahvé Sauveur. Amen. C'est le Dieu invisible qui est devenu notre Sauveur. Amen. Yahvé Sauveur. Tout le Nouveau Testament, l'Église apostolique est concentrée sur le nom de Jésus. Yes. Amen. Alléluia, il n'y a pas deux évangiles, il n'y a pas Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament, celui qui a conduit ce peuple d'Israël et celui qui a amené l'Église que nous sommes
à devenir le peuple de Dieu. Amen, il nous a mis ensemble, c'est ce que l'apôtre dit, les deux sont devenus un seul, le peuple de Dieu, ceux qui n'étaient pas un peuple, il les a réunis ensemble et il a donné pour cette église universelle son nom, Jésus, Yahvé, Sauveur. Amen. Dans Jean chapitre 20, verset 31, il est dit ceci. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Amen. Et c'est important que nous puissions comprendre ce verset. Que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Tellement souvent, les chrétiens ont du mal à comprendre ce que ça veut dire, Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est la chair de Dieu. Dieu devenu homme, c'est pas une deuxième personne dans la divinité. Dieu devenu homme, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et son nom, c'est Jésus, Yahvé Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur. Dans Jean chapitre 17 et verset 6, Jésus prie. Jésus était 100% Dieu, mais il était en même temps 100% homme. Et dans son humanité, il devait aussi prier. Et dans cette prière, voici ce qu'il dit. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Amen. Il parle du nom de Dieu, il parle du nom de Yahvé. Et quel est ce nom qu'il a fait connaître? C'est le nom de Jésus. Yahvé, Sauveur. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Amen. Dans Marc chapitre 16, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, et nous connaissons la suite des versets. Dans Actes chapitre 2, verset 38, le premier message de l'Église, le premier message qui a été prêché pour nous, l'Église. Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Souvenons-nous que dans l'Ancien Testament, le Seigneur a dit à Moïse, voilà mon nom pour l'éternité, de génération en génération. Amen. Le message que Pierre est occupé à prêcher, le jour de la Pentecôte, il dit, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. On revient à cette promesse que Dieu donne à Moïse. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Amen. Amen. Acte 4, chapitre 12, chapitre 4, verset 12, pardon. Il y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Église, écoutez bien, Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Les apôtres sont en train de parler du nom de Jésus. Or, la prophétie de Joël nous dit que quiconque invoquera le nom de Yahvé sera sauvé. L'apôtre Paul dit, il n'y a pas d'autre nom à part le nom de Jésus par lequel nous puissions être sauvés. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Je suis tellement heureux, Église, que quand j'avais 22 ans, le Seigneur m'a révélé son nom. Il m'a révélé qui il est. Il m'a révélé tout ce qu'il y a dans la puissance de son nom. Amen. Et je marche avec le nom de Jésus depuis que j'ai 22 ans. Et c'est quelque chose de tellement extraordinaire. L'histoire de l'Église apostolique, le Nouveau Testament, nous enseigne que tout est dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et qui a besoin d'entendre cette prédication ce matin? Alléluia. Le salut est dans le nom de Jésus. La guérison est dans le nom de Jésus. La délivrance est dans le nom de Jésus. La liberté est dans le nom de Jésus. La bénédiction est dans le nom de Jésus. Le baptême doit être pratiqué dans le nom de Jésus. Le
et dans le nom de Jésus. Amen. C'est écrit dans Luc 24. Il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Alléluia. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si tu veux que tes péchés soient pardonnés, tu dois être baptisé dans le nom de Jésus. Alléluia. Et pas autrement. La repentance et les pardons des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Amen. Amen. Alléluia. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Et je les bénirai. Alors, je vais être honnête avec vous ce matin. Je ne vais pas dire que si vous n'avez pas compris la puissance et l'autorité du nom de Jésus, vous ne serez pas bénis. Je ne vais pas vous dire que si vous n'avez pas encore été baptisé dans le nom de Jésus, vous ne serez pas béni. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la Bible dit que si tu veux être sous la coupe des bénédictions, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur mon peuple et je le bénirai. Il y a une certitude, il y a une assurance. Si tu es baptisé dans le nom de Jésus, si tu reconnais le nom de Jésus dans ta vie et que tu es baptisé par immersion dans le nom de Jésus, alors il y a cette promesse et je les bénirai. Amen. Et je ne connais personne qui soit intelligent et qui n'ait pas envie d'être béni. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est quelque chose de tellement merveilleux. Je vais terminer avec ce dernier verset. Dans Colossiens chapitre 2 et verset 10. Vous avez tout. Wow. Vous avez tout. Pleinement. En qui? En qui? En lui, en Jésus. Amen, c'est ce que la Bible nous dit. Vous avez tout pleinement en lui. L'Ancien Testament nous dit que nous avons ce peuple avec tout pleinement dans le nom de Yahvé. Le Nouveau Testament, l'évangile de l'Église apostolique, nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Est-ce que c'est un autre Dieu? Non, c'est Yahvé devenu sauveur. Et son nom pour nous, l'Église, c'est Jésus. Amen. Et nous devons accepter le nom de Jésus. Nous devons croire dans le nom de Jésus. Nous devons prendre la puissance et l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus. Nous devons prendre la guérison dans le nom de Jésus. Nous devons prendre la victoire dans le nom de Jésus. L'évangile nous rapporte cette histoire d'un homme qui s'appelait Séba qui avait des fils. Et il a vu comment les apôtres chassaient les démons au nom de Jésus. Il a vu ce qui se faisait juste quand on disait le nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais ils n'avaient rien compris au nom de Jésus. Ils n'avaient rien compris. Et ils ont pensé qu'ils allaient pouvoir faire un profit avec ça. Et ils ont rencontré un homme qui était rempli de démons. Et ils ont dit aux démons, au nom de Jésus, que Paul prêche. Et la Bible dit que cet homme, le démon qui était à l'intérieur, il les a regardés. Il a dit, tu sais quoi? Paul, on connaît. Jésus, on connaît. Même les démons ont dit, Jésus, on connaît. Mais vous, ne connaissez pas. Et les démons sont sortis de cet homme et ils se sont emparés de tous ces gens qui essayaient de faire des choses au nom d'un Jésus qu'ils ne connaissaient pas. Amen. Il y a quelque chose dans le nom de Jésus. Il y a la puissance, il y a l'autorité, il y a la vie, il y a la guérison, il y a la délivrance. Il y a tout ce dont nous avons besoin. Il y a le pardon des péchés. Yahvé, sauveur, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Amen. Alors si ce matin quelqu'un a encore un doute par rapport au nom de Jésus, alléluia, va sur tes genoux et demande au Seigneur, Seigneur, révèle-moi la puissance et l'autorité qu'il y a dans ton nom. Amen. Révèle-moi tout ce qu'il y a dans le nom de Jésus, ce nom que tu nous as donné et par lequel nous pouvons être sauvés. Amen. Si quelqu'un hésite encore ce matin à propos du baptême, c'est tellement clair. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Amen. Je sais que certains d'entre vous, vous qui êtes à la maison, vous êtes en train de frapper dans les mains et de dire « Gloire au Seigneur, vas-y pasteur, prêche !» Ça, je le sais, je vous entends d'ici. Amen. Pour d'autres, il y a encore un doute. Pour d'autres, vous savez exactement la puissance du nom de Jésus, l'autorité du nom de Jésus. Il faut être baptisé dans le nom de Jésus, mais il n'y a rien qui vient. Alors le Seigneur te parle ce matin, jusqu'à quand tu vas attendre pour que mon nom soit proclamé sur ta vie et que je puisse te bénir. Jusqu'à
t'attends, tu vas encore attendre. Amen. Peut-être que tu as été baptisé d'une autre manière. J'ai été baptisé 3 fois dans ma vie. J'ai été baptisé catholique quand j'étais bébé, par aspersion, parce que mes parents étaient catholiques. J'ai été baptisé par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit quand j'étais adolescent, parce que je voulais faire plaisir à ce pasteur qui était tellement gentil avec nous, les ados. Et puis quand j'avais 22 ans, quand j'ai dit « Seigneur, qui es-tu ?» Amen. Alors j'ai été baptisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je n'ai jamais regretté ça. Jamais. Alléluia. Je sais que le Seigneur parle ce matin. Amen. Il y a des gens qui vont toujours essayer de contrarier la parole du Seigneur, essayer de la tordre, essayer d'ajouter des choses, d'enlever des choses. Oui, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Ce que je comprends, c'est que la Bible dit que tu mettras mon nom sur mon peuple et je le bénirai. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur mon peuple et je le bénirai. Alors peu importe ce que les autres peuvent comprendre, moi je veux recevoir le nom de Jésus. Je veux que ce nom soit au-dessus de moi. Je veux qu'il me couvre, je veux qu'il m'entoure. Qu'il soit devant, qu'il soit derrière, qu'il soit à gauche, qu'il soit à droite, qu'il soit là quand je me coule, peu importe où je vais, peu importe où je suis, peu importe ce que je fais, je veux que ce nom de Jésus soit au-dessus de moi. Je veux être baptisé dans le nom de Jésus et je veux porter le nom de Jésus en moi. C'est mon identité en tant qu'enfant de Dieu, c'est l'identité de l'Église. Et le Seigneur appelle quelqu'un ce matin, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, alléluia, il est temps pour toi. Amen. Que ce nom de Jésus soit proclamé sur ta vie. Que ce nom de Jésus soit posé au-dessus de toi. Amen. Que tu sois baptisé dans le nom de Jésus. Que tu reçoives le nom de Jésus pour toi. Amen. Et que l'Éternel te bénisse. Et je les bénirai. Amen. Gloire au Seigneur. Avant d'arrêter cette prédication, je vais relire tous ces versets que nous avons lus. Amen. Parle à Aaron et à ses fils et dis: vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. La bénédiction, amen, cette bénédiction qui est pour toi, cette garde, cette protection qui est pour toi. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, qu'il tourne sa face en ta faveur et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Le nom du Seigneur, toutes ces bénédictions dépendent du nom de Jésus qui est répandu sur l'Église. Amen. Et je les bénirai. Il n'y a pas d'alternative, l'Église. Avec le Seigneur, ce n'est pas ou un peu blanc, ou un peu moins blanc, ou un peu gris, ou pas vraiment noir. C'est blanc et rien d'autre. C'est la parole de Dieu, c'est le nom de Jésus. Et la Bible dit, il n'y a pas d'autre nom. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur mon peuple. Et je les bénirai. Amen. Est-ce que quelqu'un a envie d'être béni ce matin? Et c'est là où tu es à la maison, tu as envie d'être béni. Alors il est temps de dire: Seigneur, je veux revêtir ton nom. Seigneur, je veux connaître ton nom. Seigneur, je veux comprendre la puissance, tout ce qui est révélé dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux être baptisé en ton nom. Je veux être baptisé dans le nom de Jésus. Parce que ta parole dit qu'il n'y a pas d'autre nom. Et je veux, quand je vais te revêtir de ton nom, alors que tes bénédictions coulent sur moi. Alléluia, c'est ma prière, Seigneur. C'est ma prière ce matin. J'espère que c'est votre prière. Seigneur, ton nom, le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Seigneur, je veux qu'il soit répandu sur ma vie. Que répande ta bénédiction sur moi. J'ai besoin d'être béni, Seigneur. Nous avons tous besoin d'être bénis. Et nous avons tous besoin de recevoir cette bénédiction qui découle du nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Adoptez une attitude de prière ce matin. Là où vous êtes. Alléluia, Seigneur. J'ai entendu ta parole. Alléluia. Mais je n'ai pas seulement entendu, Seigneur. Alléluia, je veux me conformer à ta parole. Parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Et tout ce que j'ai entendu ce matin, c'est ta parole. C'est la vérité. Seigneur, je veux, Seigneur, posséder ce nom de Jésus. Je veux être couvert par le nom de Jésus.
Je veux la guérison dans le nom de Jésus. Je veux la bénédiction dans le nom de Jésus. Je veux le pardon de mes péchés dans le nom de Jésus. Je veux tout ce qu'il y est inclus dans ce nom puissant, le nom de Jésus. Alléluia. Pour chacun de vous, Église. Pour toi, Église, ce matin, je prie que tu puisses vraiment reconnaître et accepter le nom de Jésus sur ta vie. Que tu puisses travailler avec ça. Le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es puissant.
déclarons, Jésus, tu es puissant. Quand nous sommes baptisés par immersion. Amen. Le nom de Jésus, c'est le nom que nous devons invoquer, c'est le nom que nous devons proclamer, c'est le nom que nous devons prononcer dans chaque situation. Amen. Alléluia. C'est le nom qui doit sortir de notre bouche. Amen. Parfois, nous sommes dans la détresse, dans les soucis, dans les problèmes. Amen. Et on prie, on prie, on prie. Amen. Alléluia. La Bible dit que tu dois juste prononcer le nom de Jésus. Amen. Tout est dans le nom de Jésus. Toute la puissance, toute l'autorité, toute la bénédiction, la guérison, tout, tout est dans le nom de Jésus. Et l'Église doit apprendre à utiliser le nom de Jésus. Alléluia, tu peux chanter le nom de Jésus, tu peux parler du nom de Jésus, tu peux prier le nom de Jésus. Si tu n'utilises pas le nom de Jésus, ce nom ne te sert à rien. Parce que tout est dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Juste à la fin des années 1800, au début des années 1900. Amen. Pendant tous les siècles qui ont précédé, après la naissance de l'Église, l'Église apostolique, pendant tous ces siècles qui ont été là, le nom de Jésus a été étouffé. L'autorité, la puissance du nom de Jésus a été complètement mise de côté et plus personne n'entendait parler du nom de Jésus. Et puis la Bible, l'histoire nous dit que en fin des années 1800, début des années 1900, il y a eu ce grand réveil que nous pouvons appeler un réveil apostolique. Amen. Et des gens ont commencé à lire la Bible et ils ont découvert le nom de Jésus. Nom qui était oublié depuis plusieurs siècles. Ils ont découvert le nom de Jésus. Ils ont découvert qu'ils devaient être baptisés dans le nom de Jésus. Des milliers de personnes ont commencé à être baptisées du Saint-Esprit. Juste parce qu'ils se réunissaient ensemble, ils priaient et le Seigneur les baptisait du Saint-Esprit. Comme le jour de la Pentecôte. Et il y a eu un grand réveil qui s'est étendu au monde entier. Et malheureusement, de ce grand réveil,
Plusieurs sont sortis. Parce qu'il y avait cette tradition trinitaire qui était là depuis des siècles. Et ils n'ont pas accepté ce nouveau réveil que le Seigneur a envoyé sur son peuple, sur la terre. Et qui allait être le début des temps que nous connaissons. Qui allait être les prémices de la fin des temps. Et merci Seigneur pour cette église qui a connu le nom de Jésus, l'autorité du nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus, et qui à travers et contre tout ont continué de baptiser dans le nom de Jésus et à prier pour que les hommes et les femmes soient remplis du Saint-Esprit. Amen. Et c'est ces choses-là qui sont arrivées jusqu'à nous aujourd'hui. Amen. Amen. Et merci Seigneur pour ces hommes et ces femmes qui ont persévéré dans cette nouvelle révélation venue de Dieu. Alléluia. Yes. Et encore aujourd'hui, il y a un combat dans l'église. Pas, c'est pas un combat ouvert, c'est un combat doctrinal. Pour ou contre le nom de Jésus. Pour ou contre le baptême dans le nom de Jésus. Alors que simplement, on lit la Bible, on comprend ce que la Bible dit, on accepte le nom de Jésus. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Amen. Amen. Je voudrais vous encourager ce matin, je voudrais encourager quelqu'un qui va entendre ces paroles. Oublie ce que tu as compris jusqu'à maintenant. Oublie tes préceptes religieux, tes traditions dogmatiques. Alléluia, va dans la parole de Dieu. Va sur tes genoux, va en prière et connais le nom de Jésus. Reçois le nom de Jésus et couvre-toi avec le nom de Jésus. Alléluia, et ainsi ils mettront mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Amen. Alléluia. Et je les bénirai. Amen. 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 Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Le nom du Dieu Tout-Puissant. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu du peuple d'Israël. Jésus-Christ, Yahvé Sauveur. Gloire à ton nom, Jésus-Christ. Alléluia, gloire à ton nom Seigneur. Louange à toi Sauveur. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, si vous avez des questions, amen, venez me voir. Amen, envoyez-moi un message, un SMS, un email, tout ce que vous voulez. Amen, et on va étudier le nom de Jésus ensemble. Amen, si vous ne savez pas comment être baptisé, on va étudier. Et la Bible nous enseigne que vous devez être baptisé dans le nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. N'hésitez pas à venir, on va étudier la parole de Dieu ensemble. Je ne vais pas vous enseigner les choses que je crois. Amen. Je vais vous enseigner ce que la Bible dit. Amen. 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 C'est ça qui est important. Alléluia. Pour que nous puissions ensemble recevoir le nom de Jésus. Yes. Amen. Et ainsi, ils mettront mon nom sur mon peuple. Alléluia. Waouh. Et je les bénirai. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Église, proclame le nom de Jésus. Yes. Invoque le nom de Jésus. Connais le nom de Jésus. Saisis la puissance qui est dans le nom de Jésus. Couvre-toi du nom de Jésus. Oh, et je les bénirai. C'est une promesse. C'est une promesse. Alléluia. Il n'y a pas d'autre promesse. C'est ta promesse. Et je les bénirai. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce qu'il fait. Amen. Pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Église, le Dieu que tu sers est un grand Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. On se voit demain matin pour les plus courageux à 7h à 7h30 sur Zoom. Et je voudrais vraiment vous encourager. Alléluia. Je sais que Les esprits sont partagés, les pensées sont partagées, les désirs sont partagés. On n'aime pas, on a toujours une bonne raison pour ne pas être là. Amen. Si vous ne voulez pas qu'on vous voit, vous laissez l'écran noir, ce n'est pas un problème. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose de puissant quand nous sommes réunis ensemble. Et tous ceux qui sont présents, qui sont fidèles, peuvent témoigner de ça. Il y a quelque chose de puissant. Amen. Quand nous sommes réunis Amen. Ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Cette puissance, c'est la présence du Seigneur. Amen. Et nous avons besoin de la présence du Seigneur. Nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur. Nous avons besoin de ces forces qui vont venir nous encourager, qui vont venir nous fortifier, qui vont venir réveiller nos cœurs, ouvrir nos yeux, donner des révélations.
Amen, qui vont nous aider dans les moments difficiles à continuer d'aller de l'avant. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Gloire au Seigneur. On est prêt à faire tellement d'efforts pour tellement de choses. Amen. Alléluia. Vous savez, quand Jean-Nicole et moi, quand on partait en vacances à l'été, on aimait bien arriver à midi. Et quand on avait 800 ou 900 km à faire, parfois on partait juste après minuit. On dormait 2 ou 3 heures et on se levait très 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 tôt. Pourquoi ? Juste pour partir en vacances. C'est juste. C'est juste. Alors j'ai pas de mal à me lever tôt quand c'est la prière. J'ai pas de mal à me lever tôt pour être à 7 heures sur Zoom parce que je vais prier mon Dieu. Amen. En communion avec mes frères et mes soeurs. Et je vais recevoir ma bénédiction. Amen. Amen. Vous savez quoi ? Non seulement je suis béni, mais ma bénédiction repose sur chacun. Et nous sommes bénis tous ensemble. Amen. Gloire au Seigneur. Et je vous encourage vraiment à faire un effort. C'est 4 jours. Ne me dites pas que vous n'avez pas besoin d'être béni. Si vous n'avez pas besoin d'être béni, à dimanche. C'est la vérité. Si vous avez besoin d'être béni, c'est demain matin à 7h. Amen. C'est mardi soir à 19h30. Alléluia. C'est mercredi matin à 7h. Et c'est jeudi soir, 19h30, sur Zoom. Le lien est sur la page Facebook, Le Rocher Nivelle, et c'est toujours le même lien. Amen. Et j'espère qu'on sera nombreux demain matin. C'est juste 30 minutes, parce qu'après, il y a les enfants, il y a l'école, il y a le travail, il y a les occupations de la vie. Amen. Mais on va prendre 30 minutes ensemble pour recharger les batteries. Commencer la journée dans la présence du Seigneur, avec la présence du Seigneur, avec les forces que le Seigneur va nous donner. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, je vous attends demain matin à 7h. J'espère que mon écran d'ordinateur sera trop petit pour voir tous les visages qui seront là présents. Amen. Amen. Je vous attends demain matin à 7h. On va être ensemble pour la prière. On va faire 4 jours de jeûne et prière et on va détailler un peu plus ça demain matin. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Romain va terminer la réunion par la prière. Amen, comme il fait chaque fois. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Amen. Au nom du Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite, si tu peux, à se lever, à fermer les yeux. Alléluia. Nous allons clôturer ces moments par la prière. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions, Seigneur. Nous savons que tu vas intervenir, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu n'as pas besoin que nous t'aidions. Tu n'as pas besoin, Seigneur, que nous t'assistions. Tu es puissant. Tu es glorieux et tu es souverain, Amen. Seigneur Jésus. Ta parole a été prononcée et nous prions maintenant, Seigneur, pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle aille dans les maisons, pour qu'elle aille dans les cœurs, qu'elle agisse, Seigneur Jésus, pour qu'elle puisse vraiment être inscrite dans nos cœurs, pour qu'elle écrase et qu'elle domine sur les émotions, sur les circonstances, sur la maladie, sur l'oppression, Seigneur, sur le stress, sur l'attaque du diable, Seigneur Jésus, que ta parole domine, que ta parole écrase, Seigneur Jésus, que ta parole puisse être victorieuse et qu'elle soit efficace comme tu nous l'as promis, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous envoyons maintenant ta bénédiction, Seigneur, comme ta parole nous l'a indiqué. Nous envoyons la bénédiction sur les frères et sur les sœurs, sur les enfants et sur les anciens. Seigneur, que ta bénédiction nous accompagne, que ta main soit sur chacun d'entre nous, que ton bras soit vu dans chacune de nos vies, Seigneur Jésus. Réveille-nous demain matin, Seigneur Jésus. Que ton esprit nous réveille, qu'il nous empêche de dormir, Seigneur, pour nous rassembler, que nous puissions être là tous demain matin pour te prier, pour te chercher, pour que nous puissions concentrer nos prières, Seigneur, pour que ta gloire soit manifestée cette semaine dans chacune de nos vies, qu'elle puisse exploser ce week-end, Seigneur Jésus, dans la louange, dans l'adoration, dans la prédication de ta parole, pour que tu sois glorieux et majestueux, Seigneur Jésus. Garde-nous, protège-nous et relève-nous, Seigneur, secoue chacun d'entre nous, alléluia, pour que nous puissions relever nos cœurs, que nous puissions réveiller nos âmes, et que nous puissions être fidèles pendant toute cette semaine, jour après jour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions cette prière. Amen. Alléluia. Soyez bénis, Église. On se retrouve demain matin à 7h du matin sur Zoom. Alléluia. Passez un excellent dimanche. Amen.